Et nous avons déjà participé l'année dernière à ces assises de la parité. Nous souhaitions y participer à nouveau parce que, comme vous le savez, la parité est quelque chose de très important pour notre entreprise, pour enrichir notre entreprise. Il est essentiel de rassembler des femmes et des hommes pour obtenir une parité essentielle. Et toute cette co-construction avec des grands groupes, des ETI, des entrepreneurs et d'une richesse incroyable, c'est aujourd'hui un rassemblement inscrit dans la diversité, dans la parité, et je suis ravie. Cette journée est placée sous le thème de l'accélération. C'est devenu le lieu où nous allons évoquer de très nombreux sujets liés aux causes féminines dans le monde de l'entreprise. Il y aura ensuite un concours de start-upeuses pour aider les gagnantes à performer. J'ai assisté à la table ronde sur le recrutement, la fidélisation et les hauts potentiels. Et ce que j'ai apprécié dans cette table ronde, c'est que nous avons pu évoquer un grand nombre de thèmes qui sont rattachés à la parité. En très peu de temps. Les assises de la parité ont un rôle à jouer, notamment dans un objectif de visibilité et d'exemplarité d'entreprises dirigées et fondées par des femmes. On a besoin de rôles modèles en fait dans cet écosystème start-up très très masculin. On était aussi en recherche de réseaux et d'expérience, donc on est ravis de ce prix qui va nous apporter de l'expertise et de l'accompagnement. Le bilan est très positif parce qu'il y a une énergie incroyable qui circule et j'ai envie de vous dire que les assises de la parité, puisque le réseau IWF est international, vont sortir de nos frontières, exister en Europe et plus loin encore. Ce que je souhaite pour les prochaines assises de la parité, c'est d'y participer. Je trouverais intéressant de retrouver des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui pour échanger, pour constater les progrès dans les entreprises diverses qui ont participé aux assises. Et le but, ce serait de pouvoir prouver que ces assises de la parité permettent de faire évoluer, avancer, progresser les organisations.